Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler de ce tout nouveau système de KVK pensé, imaginé bien évidemment pour les baleines et uniquement les baleines. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne? C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, les amis. Vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos. Bref, tout est sur le Discord. Et même les pronostics de la grande finale de la Ligue Osiris pour ce Blindax. Les 4 vainqueurs de la saison 8 s'affrontent. Un nouveau store à plier, des nouveaux pronostics. Le vendredi à 18h, une vidéo prono. Et le samedi sur le Discord, les ajustements. Les amis, ça fait 8 saisons qu'on se refait et qu'on plie le store. Pas de raison que cette grande finale nous échappe. C'est la 4e grande finale, si j'ai bonne mémoire. Et les 3 précédentes, on les a pliées aussi, les stores. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous voulez. Des pronos qui, en général, ça fonctionne. Même si 2-3 fois, il y a quelques petits loupés, ça fait plaisir. Mais c'est pas grave au final, le store est toujours vidé. Les amis, donc, je vous le disais, un nouveau système de KVK, vous l'avez peut-être remarqué, c'était dans la dernière mise à jour, mais cela vient d'apparaître, hein, pour ceux qui ont le KVK K-pop, le vent du changement. Alors, le vent du changement, l'icône est très sympa, j'aime bien qu'on remette Richard et Sunzi, ça fait un petit peu old school. Mais franchement, regardez, ça devient clairement n'importe quoi. Combien de systèmes de KVK différents? Je vous le rappelle, le jeu se vide de ses joueurs. Il y a quand même de moins en moins de joueurs. Ça reste assez élevé quand même en termes de communauté. Puisque comme je vous le disais encore récemment, Lilith fait 15 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois sur Rock. C'est très élevé. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a de ça 2 ans, ils étaient à 40 millions. Alors vous allez me dire, oui, c'était le Covid. Non, avant le Covid, ils l'étaient déjà. Juste après, ils étaient à 38 aussi. C'est là, depuis 18 mois, ça descend pas mal. Et regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 systèmes de KVK différents. Il y a 2500 royaumes. Sur les 2500 royaumes, ça va de 1000 à 3500. Il y en a environ, je dis bien environ, 1700 qui peuvent aller en saison de conquête. Hein. Donc, c'est ceux qui peuvent choisir leur histoire. On est là-dessus sur 10 KVK différents comme ça. Hein. On va s'inscrire et il va en avoir en moyenne au maximum 170 par inscription. Et si vous regardez 170, on est sur des zones qui sont limitées. Hop là, on va aller sur celui-là en cours par exemple. Hein. C'est limité à en général 150 royaumes, je crois. Donc on est sur la limite très haute. Ça sert strictement à rien, Lilith, de lancer autant de systèmes de KVK. Vous feriez mieux de patcher ce qui dysfonctionne. Rappelez-vous, le roi du Nil, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un roi du Nil? Alors, ils ont patché, surpatché, repatché, comme la conquête du désert. On en a vu hein, tourner encore récemment. Mais quand même, ça reste très buggé. Qu'en est-il de vent du changement? Les règles, vous les connaissez, mais je vais vous les montrer puisque Lit nous a sorti une petite vidéo qui fait plaisir ou pas, hein, avec du contenu spécial. Ils nous montrent dans leur vidéo hein, les engins évolutif, ça c'est ce qui est intéressant, hein. Et ils expliquent comment on conversion du bonus d'unité, les troupes d'escarmouche, etc. Ça reste que des troupes à distance. Avant de revenir sur ces règles-là, regardons la vidéo de Lilith, j'allais dire les deux vidéos de Lilith, non, la vidéo de Lilith, on va la regarder deux fois pour reparler de ce qu'ils font. Regardez donc Shifting Gears en anglais, hein, en version originale, on va dire, vent du changement, une traduction pratiquement littéral, on voit le système, il y a bien 4 camps, on va retourner hein, voir les règles après. 4 camps traditionnels, le camp feu, terre, eau et vent. Hein. On est sur une carte qui ressemble très clairement à Heroic Anthem. Je ne sais pas si c'est pas exactement la même d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a quelques petites modifications au niveau des portes. Hein. Il y a un système de Revamp Coins, hein, des pièces de Revamp qu'on peut dépenser pour transformer un commandant hein, et acquérir des nouveaux skills. Alors là, les mecs prennent comme commandant, hein, comme exemple, ils prennent Charlemagne. Non, franchement, c'est pas lui qu'il fallait prendre.
avec les Revamp Coins, on va pouvoir transformer un commandant et l'utiliser à distance. Et regarde, les Revamping Commander, une fois qu'on l'a utilisé, on rajoute un skill et on va pouvoir créer des nouvelles unités, des troupes d'artillerie. Notamment, on va sélectionner, ça coûte des pièces, 600, comme vous l'avez vu, 600 pièces de Revamp. On voit les trébuchets avec le nouveau système de skill. Et rappelez-vous, elles ne contrent personne, ces nouvelles troupes, et elles ne peuvent être contrées par personne. Donc, au total, elles n'ont ni bonus contre certaines troupes, comme bon, la cavalerie avec l'infanterie, avec les archers, etc., ni malus. Ce qui fait qu'on est plutôt détente, vous êtes plutôt solide, mais tout de même, quand on va arriver au corps à corps, forcément, vous allez vous faire défoncer. Il vous montre les stats, une fois qu'on a installé les Revamp Coins, qu'on les a claqués, ils les ont bien claqués, on vient de voir, regardez, il était à 8002, il est passé à 7006 et à 7600. À chaque fois, on choisit ses skills, on reprend la troupe qu'on veut, on l'attribue et puis on prend d'autres skills. Il nous montre tous les types de skills qui sont des skills single ou AOE, mono-cible ou multi-cible. Attention, les multi-cibles, à bien les choisir, il y en a plusieurs. Évidemment, je vous en parlerai plus longuement quand le KVK va avoir été un petit peu testé. Pour le moment, il ne l'a pas été. On voit le système, on n'a pas à se mettre en formation tour comme c'était le cas avant avec les troupes d'artillerie. On devait se mettre en tour pour qu'elles puissent tirer en distance. Là, ça arrive et tac, bon, celui-là, il doit se transformer. Mais l'autre, vous avez vu, il n'a pas à se transformer. On voit la zone d'effet, ça tourne en circulaire. Alors, on peut dire ce qu'on veut, oui c'est pour les baleines, en tout cas c'est très bien fait, c'est très sympa. Là il s'est transformé en troupe de à distance, Monsieur Siège, il s'appelle justement QXGL, je ne sais pas si c'est un testeur officiel, Mister Siège. Et vous le voyez, vous choisissez votre angle d'attaque et après ça attaque, c'est très bien fait, on voit vraiment bien la zone, ça attaque parfaitement la zone. Franchement, sur le papier... c'est plutôt pas mal. Là, il nous montre... regardez les tourelles comme elles tirent. Les flaques tourelles comme ils tirent super loin. Alors ça, ils ne l'ont pas inventé. Rappelez-vous, ça ne tire que sur... ça ne dégage que les remparts et pas le reste. Ça ne tue pas d'unité. Au niveau des skills et de les tourelles qui tirent comme ça, ça, ils n'ont rien inventé. Ils l'ont emprunté à leur autre jeu, fait par leur filiale pour l'Europe. Call of Dragons fait par Farlight. Farlight, ça appartient à Lilith. Et il y a déjà les flags qui tirent. Là, ils nous montrent le nouveau système et ils reviennent des bâtiments et ils reviennent sur le départ. Regardons dans les détails les règles, ce qu'elles donnent et surtout pourquoi ce nouveau KVK, il est fait pour les baleines. Vous l'avez bien compris, c'est pas pour nous simples mortels, nous les pauvres, nous le peuple. Regardons donc ce qu'on vient de voir. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, on a donc les engins évolutifs et puis on a le système qui nous explique armes à distance modulaire qui peut être utilisé en troupes d'artillerie ou d'escarmouche, à des attributs d'unité de siège, mais un chargement plus faible. Évidemment, on peut moins porter de ressources avec un engin évolutif. Si un commandant retouché est le commandant principal d'une troupe sur la carte, toutes les unités de cette troupe seront converties en un nouveau type d'unité, les engins évolutifs. Là, il va falloir claquer des pièces d'escarmouche, retoucher les commandants. Retoucher un commandant lui permet de mener des troupes d'escarmouche ou d'artillerie et d'apprendre une nouvelle compétence active d'expertise. Le but de Lilith en faisant ça, il est très simple. Au-delà de nous apporter des unités à distance, c'est que les joueurs arrêtent de supprimer et de sacrifier la quatrième unité, à savoir les trébuchets. Puisque pour baisser notre puissance, tous les royaumes font ça, on supprime les trébuchets, on les sacrifie à la fin, on sait que ça sert à rien, on s'en sert que pour récolter. Lilith veut arrêter ça, parce que si on arrête de faire ça, ça nous fait plus 3 troupes à soigner, mais de nouveau 4 troupes à soigner, 4 troupes à créer en boucle. C'est beaucoup plus rentable pour Lilith, il y a une problématique financière derrière Lilith. Ils ont créé 4 types d'unités et l'une de ces types d'unités était sacrifiée par les joueurs et on dépensait jamais de ressources pour elle. Là, c'est chose réglée sur ce KVK, comme lorsque on arrêtait d'investir dans les systèmes de KVK et qu'ils ont créé les mines de cristaux, exactement pour nous voler encore un peu plus qu'on dépense des bundles et faire un vrai écart. C'est pour ça que tout ça a été créé. Ne vous leurrez pas, ces nouvelles unités s'inscrivent là-dedans. Conversion du bonus d'unité. Si un commandant retouché, commandant principal d'une troupe sur la carte, certains bonus liés à l'équipement, au talent, aux formations de la terre, aux technologies, au musée de thèmes, on s'est converti.
quand vous avez un commandant, un jeu infanterie par exemple, et que vous le convertissez, eh bien, tous ces bonus d'infanterie s'appliquent aux engins évolutifs, soit à l'artillerie, soit aux escarmouches. Les troupes d'escarmouches hein, peuvent effectuer des attaques de longue portée sans passer en mode attaque à distance, comme on l'a vu sur la vidéo. Hein. Dès qu'on a la cible, elle tire direct dessus. Si aucune troupe ennemie d'un autre gouverneur n'est à proximité d'une troupe d'escarmouche, celle-ci obtient un bonus de 20% de dégâts infligés. Donc ça veut dire quand il n'y a personne au corps à corps et qu'elle reste à distance, elle fait 20% plus de dégâts. Les dégâts subis par la troupe d'escarmouche augmentent de 10%. Seuls les commandants retouchés, les commandants avec le symbole ingénierie peuvent utiliser les compétences actives en menant des troupes d'escarmouche. Les autres, elles ne peuvent pas avoir de compétences actives pour nous pousser bien évidemment à dépenser des pièces d'escarmouche. Si vous ordonnez à une troupe d'escarmouche d'attaquer alors qu'elle se trouve sur la même case qu'une tour de flèche, une troupe d'artillerie ou une autre troupe d'escarmouche qui est en train d'attaquer, elle se déplacera automatiquement sur la case libre avant d'attaquer. Ça fait un peu jeu de plateau. Hein. Les troupes d'artillerie, là, elles doivent se transformer, peuvent passer en mode attaque à distance. Elles attaquent, elles font mal, elles ont un boost de 5% de dégâts infligés. Bon, seuls les commandants retouchés peuvent les utiliser. Pièces d'escarmouche, c'est là qu'ils viennent prendre la moula. Notre argent, ils le prennent sur les pièces. Vous devez dépenser des pièces retouchées chaque fois que vous retouchez un commandant. Vous obtiendrez automatiquement des pièces de retouche chaque heure. Vous pouvez aussi obtenir, en terminant les quêtes de bastion, et sûrement au hasard, hein, en achetant des bundles. Ça fait plaisir à Lilith, on claque notre moula. Les bastions sont répartis dans tout le royaume. Il nous montre avec Charlemagne, trop bien. Charlemagne, tant en commandant qu'en bastion, il sert à rien. La faveur, on connaît. Tour de flèche d'alliance, normalement, vous connaissez. Les drapeaux de croisade peuvent être changés en tour de flèche d'alliance qui attaquent les villes non alliées à proximité. Leur attaque réduit la durabilité de la muraille de la ville ciblée, mais n'inflige pas de dégâts aux troupes qui sont en garnison. C'est ce que je vous disais. Permis d'entrée d'alliance, il n'y a pas de sujet, c'est pour passer les portes. Immigration du royaume perdu. Le système d'immigration, le contenu spécial, les mines de cristal. Ah, je me demande si le skin n'a pas un tout petit peu changé. Dites-moi en commentaire, tiens, vous qui avez l'œil, j'ai l'impression que le skin est un petit peu changé. Exploiter la mine, amélioration, les cristaux, évidemment. Hein. On fait le combo de tout pour vous prendre un max sur les bundles. Il y a aussi témoignage hein, d'Otars, hein, Otars Testimony, si je dis pas de bêtises. En VO, le système de coalition, il ne bouge pas. Hein, partage de récompenses, occupation de bâtiments, les pièces de saison, les pièces de conquête, les étoiles de champion et le système de camp. On est bien à 4 camps au départ et plusieurs royaumes par camp. Si vous n'êtes pas suffisamment puissant, parce que certains sont tout seuls comme le 1093, même s'il n'est pas sur ce qu'avec Ala, c'est la même map. Vous le voyez donc, un système fait pour claquer un maximum, pour investir et dépenser encore dans nos trébuchets et qu'on arrête de les sacrifier. Un nouveau système en fait, pour nous forcer à dépenser toujours davantage de ressources ou d'acheter des bundles, hein, même si on obtient, on va voir si j'ai raison, si j'ai tort, hein, même si on obtient les pièces de retouche gratuitement au fil du temps et en faisant les bastions. Pour faire les bastions, eh bien, il va falloir dépenser souvent des accélérateurs, on le voit, hein, c'est beaucoup de demandes d'accélérateurs sur les bastions et les accélérateurs, eh bien, ça s'achète par les bundles, ça se gagne en étant très présent dans le jeu, hein, et je pense que vous verrez, on aura un bundle pour acheter des pièces de retouche, genre limité, hein, pour pas que ça fasse cheat, mais ça va être abusé. Quand même, franchement, pas terrible, une bonne idée, mais tout ça, encore une fois, pour augmenter la marge, toujours la marge, ils devraient penser à augmenter leur base de joueurs actifs et à les consolider au lieu de les faire fuir. Parlant d'augmenter sa base de joueurs actifs, Lilith nous a sorti une vidéo, alors là, je ne comprends pas, sur leur collaboration, hein, le artwork collaboration avec le musée national de Rome. Et regardez, je suis peut-être éclaté, hein, il nous annonce qu'il y a 555 alliances, vous allez le voir, 555 alliances qui participent, hein, 555 qui participent, ça aurait pu être 777, ce chiffre qui porte bonheur à nos amis chinois. Et ils nous disent, donc c'est 555 alliances, je sais même pas ce qu'elles vont faire, hein, mais ils nous ont fait une belle maquette et ils mettent ça en avant comme si c'était le truc de ouf, ça a mis 6 mois. Franchement, ils ont payé une boîte qui fait des maquettes pour faire une maquette qui a pris 6 mois. Ouais, bah c'est super, n'importe quelle entreprise peut faire ça, hein, ils ont acheté une maquette. Je vois pas à ce stade hein, bien le rapport avec le jeu, sachant qu'en plus c'est pas une maquette du jeu, c'est une maquette plus ou moins de Rome. Là, le seul élément de jeu qu'on a, c'est les tourelles avec les drapeaux, qui sont peut-être des tourelles hein, des alliances. Hein. C'est tout ce qu'on a comme élément de jeu. Et on a un grand plateau d'une ville.
pseudo-romaine. Est-ce que c'est Rome comme elle était censée être sous la Rome antique? Je ne pense pas, hein, parce que Rome sous la Rome antique n'était pas aussi large, aussi écarté, aussi clair. C'était beaucoup plus resserré pour les fans d'histoire, hein, vous le savez très bien. C'était exactement comme le même problème qu'on avait dans toutes les villes de cette époque. Hein. Très resserré, là c'est quand même très large, très aéré. C'est encore une fois très très romancé, on va dire. Après, c'est extrêmement beau. Mais je ne comprends pas encore une fois pourquoi ils nous disent c'est pour le 10 juillet. Je comprends rien à cet event. Encore une fois, je vois pas quel est le rapport réel avec le jeu. Dites-le moi. Si vous, vous avez tout capté et que je suis totalement à l'ouest et que vous trouvez que c'est de la balle, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On finit les amis avec un fait étonnant. On a en boucle en ce moment la cérémonie de Karuak, non pas la cérémonie de Karuak, la crise de Cerulean qui tourne en boucle. On l'a eu une première fois, on l'a eu une deuxième fois, troisième fois de suite qu'on a cette crise de Cerulean. Je ne comprends pas. On a eu pareil avec l'Olympe, on a eu pareil avec les combats de bateaux. Et là, c'est la crise de Cerulean standard, on l'a eu aussi. Je ne sais pas pourquoi Lilith par moment bug et nous met en boucle dès que l'event est fini. Ils nous remettent l'event, la crise de Cerulean, pareil. Hein, la cérémonie de Karuak, hein. Certes, c'est moins tout de suite, moins régulier. Dès que c'est fini, ils ne nous remettent pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça donne 12 cultures en or, donc évidemment, ils ne vont pas nous rincer. Mais ça fait déjà deux fois qu'on l'a en deux semaines. C'est plutôt énorme, je ne comprends pas. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce qu'ils sont à court d'event, hein? Ils veulent maintenir les joueurs très présents en ce début de vacances scolaires parce qu'ils savent que le mois de juillet, le mois d'août, c'est un gros creux. Ils comptaient sur leur moteur graphique, hein, mais force est de constater que les joueurs sont mécontents et qu'il est éclaté. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle civilisation pour essayer de redonner du dynamisme, hein? On verra ça dans les semaines qui viennent. À mon avis, sous 15 jours, on sera fixé avec une méga annonce ou pas. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.